Zami famille Anouela Kay, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme. Aujourd'hui, c'est 21 novembre 2024. Nous prenons regarder ensemble éléments d'information yo côté gros coup dur pour conseil présidentiel qui était espéré que Nations Unies ou bien Conseil de sécurité des Nations Unies donc t'a sorti avec un bon résultat pour te transformer force multinationale Kenya en une mission opération Nations Unies pour kembe la paix en Haïti. Eh bien, la Chine avec la Russie yo opposé avec proposition que États-Unis et Équateur t'est fait pour les transformer mission. Eh bien, nous allons regarder plusieurs points ensemble avec vous. Côté que il y a plusieurs déclarations qui faites, il y a un président français Emmanuel Macron donc qui rabouré monsieur conseil présidentiel yo très rabouré et tout li dit c'est haïtien donc qui responsable de son en enfer et Haïti donc et selon déclaration président français hein, Emmanuel Macron et li dit monsieur son paquet idiot que yo yé son paquet monde saute côté yo révoqué Gary Conny premier ministre là qui t'a travaillé pour pays donc est-ce que Gary Conny t'a travaillé est-ce qu'il était un bon premier ministre. Eh bien, nous voilà dans des déclarations que président français Emmanuel Macron lui-même n'y fait. Gain ancien diplomate américain et Antoine Pierre Louis, eh bien Antoine Pierre Louis donc lui a fait gros déclaration, lui bay raison qui fait que la Chine a taclé Haïti comme ça côté que Haïti, il pas reconnaître la République et de Chine donc li gen relation diplomatique avec Taïwan. Taïwan nous connaît qui c'est une province rebelle de République de Chine donc pour raison ça raison géopolitique donc la Chine lui-même a taclé Haïti dans façon que l'a taclé là. Eh bien nous gagnons ancien diplomate américain Antoine Pierre Louis qui fait gros déclaration que nous pral garder ensemble mais avant donc on garder comment ça t'ayé non, Conseil de sécurité Nations Unies. Côté que Conseil de sécurité Nations Unies t'est réuni et hier dans après-midi, donc en sous demande la Chine avec la Russie pour discuter sur une proposition Équateur avec États-Unis fait pour transformer mission multinationale support en Haïti en MMS là en une opération de la paix Nations Unies. Donc plusieurs leaders haïtiens t'est mandé changement ça. Donc dernièrement et puis yo joine soutien organisation état américain OEA donc cependant la Chine avec la Russie yo opposé avec force là donc gen Miroslav Jenka secrétaire général adjoint pour affaires politiques et opération la paix dans Nations Unies t'est décrit donc augmentation violence dans pays d'Haïti il était dit attaque gang yo sous aéroport Port-au-Prince là pa yon vague insécurité qui normal mais plutôt yon augmentation spectaculaire ak un gros conséquence humanitaire donc nous gagnons docteur Pape yon docteur haïtien qui était représenté société civile là qui était présent dans Conseil sécurité Nations Unies mais il était illustré gravité situation hein, tout pendant intervention li donc en ami famille nous yo dans Conseil sécurité Nations Unies dans contexte ça Jenka fait remarquer seulement 400 moun qui sorti dans 2500 soldats qui ont été promettre ont été planifié dans MMS là qui déployé Haïti. Donc Monica Juma qui c'est secrétaire sécurité nationale représentant Kenya qui a dirigé force là en Haïti, eh bien, il critiquait manque de déploiement ça. Donc il mandé pour donateur yo pour yo et bail financement pour que yo ka augmenter quantité moun sou et terrain. Donc Jenka ak Juma donc supporter proposition États-Unis ak Équateur pour transformer force multinationale là en mission la paix Nations Unies Jean ancien président conseil donc été mandé donc parler de Edgar Leblanc fils dans moment assemblée générale yo et dans mois septembre qui sont passé là donc États-Unis dans intervention li donc a déclaré que yon opération la paix ta permettre joindre financement et durable donc yo mandé l'autre membre conseil sécurité yo pour yo pas bloquer demande yon rapport sur sujet ça. Eh bien
la Chine avec la Russie. Donc en cependant, tu manifesté opposition yo encore une fois. Représentant chinois yo t'es rappelé que la Chine t'es déjà supporté sanctions contre gang yo et yo pas quoi que changement rapide de MMS lan li nécessaire ou soit utile nan moment ça. Donc nous allons regarder ensemble donc déclaration ça nan tout profondeur li et déclaration représentant la Chine avec déclaration et que représentant et là aussi fait nan moment rencontre là avec plusieurs autres diplomates et qui t'ai parlé amis et famille que n'a pas gardé et déclaration que et président Emmanuel Macron fait donc un saut et politicien yo côté qu'il tacle monsieur yo li di yo il dit monsieur ça on pas qu'un imbécile que yo yé nèg ça yo sont pas qu'un idiot nèg saute et que yo révoqué yo révoqué Gary Conné qui t'a travaillé pour pays hein qui t'ai gagné et qui t'ai ouais donc et puis devant pour pays ça et bien on regarde vidéo ça ensemble avec parce que Emmanuel Macron donc li peut-être t'a parlé avec un haïtien donc dans moment qui t'a demandé pour intervenir donc il dit que et c'est pas lui-même qui fait Haïti donc rivé dans niveau lié là donc c'est haïtien qui touye Haïti donc il pas qu'a fait travail monsieur Yopouyo il dit que monsieur son pas quel bon idiot donc on regarde vidéo ça donc ou qui tes commentaires ou dis-moi qu'est-ce que vous pensez franchement c'est les haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic et là ce qu'ils ont fait le premier ministre était super il est défendu ils l'ont viré c'était terrible mais terrible et moi je peux pas remplacer ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le premier ministre était formidable. Donc, question nous a posé, est-ce que Gary Conné était un bon et premier ministre? Donc, est-ce que il a bien travaillé vraiment amis famille à Noé Lacayo? Et parce que Noé que Emmanuel Macron donc lui il a parlé bien donc de ancien donc en PM nan que il voulait aller parce que il pas de cabaye. Et résultat donc les amis famille nous on garder donc la position là aussi pendant rencontre là dans toute intégralité li côté que là aussi exprimé et opposition li contre déploiement force Nations Unies pour kimber la paix en Haïti pendant réunion dans Conseil sécurité hier 20 novembre là donc représentant la Russie a déclaré que Haïti et c'est un état qui dysfonctionnel li pas besoin support qui différent donc il mettait accent donc sur nécessité pour diriger assistance yo dans direction police nationale là avec mission Kenya et qui a dirigé force multinationale la. Donc la Russie insistait donc son haïtien yo doit régler par haïtien yo non pas par une force étranger donc la Russie tapé zami en très fort zami famille à Noël Akay donc nous déjà ouais qui zami que n'a parlé donc déclaration ça li fait dans un contexte de discussion sous crise sécurité haïtien avec possibilité déploiement mission et international là pour stabiliser donc un pays donc un débat li était reflété division sous pibon approche résoudre problème structure et Haïti yo pendant que yo t'a pas respecté donc la souveraineté nationale donc pays donc zami famille ça c'est une position que la Russie lui-même donc nan moment de discussion yo on garder position et la Chine pendant rencontre si là hier zami et famille Amoué la caille kembe la paix mandé un processus politique bien défini à qui on la paix qui existait déjà pour yo ka kembe li ça qui pas réellement fait dans cas Haïti. Politiquement, yo di gen gros division interne en Haïti ensemble avec l'idée yon processus dirigé par haïtien yo. Donc arrêté jusqu'à présent yon simple slogan sans application concrète. Yo prend histoire ça qui t'est passé déjà. Donc pendant 30 années présence Nations Unies en Haïti t'est coûté 8 milliards de dollars sans résoudre problème structure pays et puis l'équité plusieurs expériences douloureuses dans pays ça qui toujours a fait face avec crise zami famille nou yo donc réunion te visé pour yo te discuter sur implication internationale face avec crise sécurité et politique Haïti un sujet qui continue diviser membres conseil sécurité. À mes positions, la Chine reflétait une résistance
et cap grandi pour lancer une nouvelle mission et qui vraiment cher sitôt dans un contexte côté que mission est passé yo pas bail bon résultat donc c'est mauvais résultat amis et famille nous donc c'est position la Chine avec la Russie donc n'a regarder position de plusieurs l'autre pays donc qui était dans rencontre si là tant que Panama mais Panama et Panama mandé une réponse internationale coordonnée pour crise Haïti pendant réunion conseil sécurité et représentant liant déclaré donc dans mois octobre l'an il y a plus passé 11800 haïtiens qui traversaient frontière de façon illégale. OK, donc ça représentait 4% dans tout migrant yo donc qui passait Panama qui allait sous frontière Mexique. Brésil te fait connaître devant conseil sécurité hein, continuer gain circulation zam dans mes gang yo qui c'est un facteur clé et dans soutenir violence yo ak activité illégale yo. Donc qui fait yo joine gros bénéfice et bien li mande pays k'ap fourni zam yo pour yo prend responsabilité yo donc en zami fami nou yo. Donc en Canada bon côté pal République Dominicaine, Mexique, Jamaïque et pays Brésil, yo tout soutenir appel pour yon mission donc en kembe de la paix en Haïti, c'est-à-dire pour transformer mission qui gen là en yon mission onusienne. Malgré gravité donc en situation actuelle là, donc li ka vinn pi mal si pa gen aucune action qui prend. Donc Jamaïque te averti crise en Haïti a affecté sécurité région nan Caraïbes. Li est facilité croissance crime organisé transnational. Donc réseau criminel yo qui Haïti yo a utilisé crise là pour alimenter commerce zam de guerre avec un zam ti calibre. Donc li ajouté donc nous besoin plus support pas moins pour faire face avec un crise ça hein, donc qui a vinn pi grave zami famille yo. Mexique bon côté parle, li remercier pays Kenya, Bahamas, Jamaïque ak Belize pour contribution yo nan mission MMS lan. Et côté que li mande di yo courage ak sacrifice yo mérité, donc reconnaissant que communauté internationale lan parce que yo servi comme poteau sécurité en Haïti nan moment n'a parlé là parce que c'est eux même qui fait partie donc de force multinationale là. Gen Grenade bon côté parle Grenade qui était représenté CARICOM donc il reconnaît que force multinationale là li vraiment limité et une transition dans direction donc en mission kembe la paix ça dans kembe la paix n'a parlé hein li indispensable pour que élection libre transparent faite ak yon accord et dans cadre transition qui ka qui accepte qui ka accepté gen Canada donc à travers représentant yo dans conseil nations unies qui dit tant pas ami nous nous doit agir kounya. Nous encourager conseil pour lui appliquer sanctions aux Nations Unies contre tout le monde ak entité qui soutenir gang yo ak alimenter violence yo donc il mandé pour sanctionner moun sa yo et bien gagne République Dominicaine bon côté parle donc li souligner que Haïti pas gain contrôle et puis li représenter un gros danger pour peuple li yon menace continuelle pour République Dominicaine ak région hein et bien les situation actuelle donc il remplit critère minimum pour une action solide conseil sécurité sans retard c'est ça que dominicain lui-même lui dit et bien nous gagnons ambassadeur haïtien donc qui est dans Nations Unies Antonio Rodrigue et bien il plaide pour que gagne une mission et kembe de la paix une mission onusienne pour désarmer groupe armé pour rétablir la paix en Haïti et puis permettre à la police nationale lui-même les cas donc fonctionner pour que faut police là donc en carré et prend équilibre encore pour bailler plus sécurité dans les pays hein. Donc c'est ça et Antonio Rodrigue qui c'est et ambassadeur haïtien dans Nations Unies lui-même li té parlé zami famille nou yo bien nous gen ancien diplomate Pierre Antoine Louis donc qui bailler raison vraiment toute raison valable qui fait que la Chine surtout la Chine donc poser de loi de veto li qui toujours opposé et pour que yo te transforme pour transformer force ça à une force onusienne. Li déclaré ici que Haïti lui-même li te fait donc traité diplomatique yo avec avec la Chine non pas avec Taïwan donc la Chine donc en tape régler ça
donc l'étape gérer donc Haïti, c'est-à-dire que l'étape transformer force qu'il a yon et nan yon badge, donc c'est ça que lui-même l'a déclaré. Donc nous voyons que gagné Saint-Domingue qui était gagné traité et diplomatique ensemble avec Taïwan, il coupé ça même genre avec San Salvador, il demandait pour ça que Haïti lui-même n'y pas fait même genre pendant que Haïti c'est deuxième pays donc qui est indépendant, qui indépendant donc qui deuxième pays donc qui plus ancien et qui gagne indépendance dans Amérique là pendant que il aurait été collé ensemble avec Taïwan, que Taïwan pas porter rien pour nous. Donc ainsi que nous fait et nous aller vers la Chine, vers République de Chine, donc on a besoin plus bon résultat et li bay en pile l'autre détail toujours que nous pas l'inviter autant et si que ou gagne un commentaire, pas oublier donc partager li en bas vidéo. On a pas invité autant de Pierre Antoine lui qui c'est un ancien diplomate américain. Récemment, République Dominicaine, Honduras, El Salvador, coupé fâché avec Taïwan. Ils ont quitté relation diplomatique avec Taïwan, ils ont établi des relations diplomatiques avec la Chine. Regardez, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. La République populaire de Chine détient la deuxième économie mondiale. Ou pas qu'à ignorer la deuxième économie mondiale. 100% des motos que vous avez dans la RIA sont en Chine. Sandal ou e moun yap vann dans la RIA. Sous-vêtements, mesdames, yon ap vann yo. Paket bagay ou e kap vann, tiampan, aussi kap vann, sont en Chine. Qui jon moun bral dim ou bral ignorer un partenaire commercial d'Haïti aussi important? Maintenant, un leader haïtien qui est responsable, et d'ailleurs, c'est ça que fait, ouais, n'a pas essayé pour nous revenir à la question te posée en première, parce que tout bagay sa ou lié. Sujet principal ou te vle discuter à. Si Haïti a une relation diplomatique avec la République populaire de Chine, Chine a un blanc-seing. Il n'a pas d'accord pour transformer la résolution d'une mission de maintien de la paix. Il n'a pas de Chinois qui n'a pas dit et que nous-mêmes nous devons qu'on est au niveau diplomatique. Nous avons des Chinois qui ont une autorité de veto qui signifie que si vous n'avez pas accepté le projet de résolution que les États-Unis et l'Équateur tablent, qui va discuter demain, pour une possibilité pour transformer mission en mission de maintien de la paix. En passant, jeudi 19, 30 septembre aujourd'hui, ça fait 49 jours depuis les États-Unis ont une résolution que le Conseil de sécurité a considéré pour faire ça, ils n'ont pas fait. La Chine et la Russie dit qu'ils n'ont pas fait, même quand ils ont voté pour 27-51, alors qu'ils ont été abstenus pour 26-99. Là. Maintenant, vous avez remarqué, vous avez posé une question, ça a quelques une dizaine de jours. Je vais t'expliquer que si pas un cataclysme en Haïti, par rapport au fait que le 30 septembre, Chinois avec Rousseau pas d'accord, pour qui ça 49 jours plus tard aujourd'hui, 50 jours demain, mercredi 20, côté où on va regarder la résolution, hein, pour t'as fait ça. Donc il faut avoir un cataclysme en Haïti. Mais ça cataclysme, vous l'avez dit. Un cataclysme, c'est pratiquement un tremblement de terre mêlé avec un tsunami. C'est un bagage tête chargée, un bagage grave qui touille en pile moun. Donc on regarde la situation en Haïti. Hein. Depuis le 30 septembre 2024, le Conseil de sécurité a approuvé la résolution 2751 qui pratiquement reprend même l'obéi 26-99 là, qui fait que pas plus l'argent qui est mobilisé sur les 600 millions que vous avez besoin pour la première année d'installation et de fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc pendant tout le monde qui a mouru, il y a 380 Kenyans là, il y a 22 Jamaïcains. OK, ça fait 402. Gain deux Belize et Béliziens, ça fait 404. On croit gain quelques Bahamiens qui vini. D'ailleurs, gouvernement Bahamien dit et Bahamien qui là haut rentrer. Si nous même nous sentons pas en sécurité, quitter pays. Nous pas même besoin d'un moyen, on dit n'a vini et puis n'a bon moyen pour quitter pour aller faire autour. Donc c'est une farce. Mais maintenant, on d'accord que excusez-moi, ça veut dire que jusqu'à présent nous avons moins que 500. Nous avons moins que 410. Donc, c'est pour nous expliquer que les deux bons temps que vous voulez transformer mission. Les États-Unis voulaient, d'ailleurs, mission 26-99, là, tu as anticipé là, au paragraphe 19, le Conseil a demandé le secrétaire général pour faire des propositions à ce titre.
Donc c'est bien. Haïti fait. On dit que les États-Unis veulent. Oui. Est-ce que le pas nécessaire pour ta bonne petite précision, les États-Unis de l'air Biden ou bien États-Unis ça aujourd'hui hein, avec États-Unis après 2025 là. Jusqu'au 20 janvier à midi, Biden président des États-Unis. Les États-Unis ont un seul président à la fois. Sa président Biden a passé fait là, ou après pour un article New York Times que nous lit il y a deux ou trois jours, c'est l'anticiper que Trump a moins disposé en faveur d'Haïti. L'a gardé situation qu'en Haïti a, l'y pas t'avlé que le quitter en héritage, ça qu'a fait là. Et l'anticiper que Trump, par l'autre attitude, l'y a quand même quitté mission multinationale d'appui à la sécurité, a tombé. Parce que si les États-Unis n'ont pas levé pied, l'a tombé. Donc c'est comme ça que pendant la assisté à un forum de l'APEC, qui c'est l'association des pays de l'Asie et de l'Est, au Pérou, il a rencontré le président Xi Jinping de la République populaire de Chine, et m'a dit encore que Haïti, qui a une relation avec Taïwan, ça n'a pas fait Chinois content du tout. Et selon le New York Times, il y a un officiel américain qui dit que le président Biden utilisait titan gain pour parler avec Xi Jinping, non, qu'il n'était pas là avec elle. Et ça a un an, il n'a pas parlé souvent, pour demander pour la Chine quitter la résolution en passé, qui pourrait le faire que le conseil de, le secrétariat général des Nations Unies pourrait examiner la faisabilité de la transformation de la mission de, multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix, qui signifie mission 1, si on transforme l'étape de Cancun, MINUSTA, l'étape de moyens propres, ou pour le MINUSTA là pendant 13 ans, pas de problème l'argent. Donc, parce que une mission multinationale, une mission de maintien de la paix de l'ONU, son opération de l'ONU qui bénéficie du financement de l'ONU quand toute l'autre opération, toute l'autre activité l'ONU a entreprendre. Donc, les États-Unis, et moins de deux mois plus tard, un mois et demi plus tard, ils ont essayé encore. Et c'est comme ça, le président Biden parlait de bagarre avec Xi Jinping, et un officiel américain dit, le président Xi Jinping n'a pas dit non, mais il semblait pas enclin. Et une des raisons, c'est la relation Haïti avec Taïwan. Donc, si je dis à Haïti besoin d'appui, il n'y a pas d'intérêt à Haïti pour continuer la relation avec Taïwan. Un pays qui n'est pas réellement, bah, on est cap balle des miettes, il y a des enjeux géopolitiques qu'il a besoin de gérer. Maintenant, je ne peux pas demander pour mon baronnet envahir Haïti, ceci, cela, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. De toute façon, là, on n'est pas au nationalisme forcené. Donc, même comme respecter les grands nationalistes, je considère être mon nationaliste, tout, même si je suis pragmatique. Sous pas qu'à l'goumen, il faut d'accord que dans sa peuple haïtien à vivre la journée, quel que soit moun, par exemple les Béninois qui offrent 2000 soldats. D'ailleurs, le problème haïtien, c'est un problème militaire. Le problème n'est pas un problème de sécurité publique, toujours. Toutes les fois que nous pensons que la police va résoudre le problème, ça, on a battu nous menti. Le problème, c'est un problème militaire. Les forces armées d'Haïti méritaient pour joindre des blindés d'assaut, pour aller avec Zamio, capturer, pour on est campé devant eux. Ouais, ça veut dire, je ne parle pas de vrais blindés. Je vous ai dit charmaté en émission, et pas nous-mêmes, non, nous avons fait un entretien avec eux. Pas de char en Haïti. Effectivement, les forces armées d'Haïti ont besoin des chars à canon, même avec des pneus. Non, il n'y a pas besoin d'un chenille, il n'y a avec des pneus. Non, mais, non, mais comment on fait pénétration? Non, mais pour le moment, dans l'immédiat, soit elle fait ça, qu'on a besoin tant de formation, tout ça, mais il y a des blindés qui ont un canon là-dedans, que les forces armées d'Haïti ont utilisé, avec une force de frappe, côté que sous camp en face, il y a pulvérisé. Moi, je ne comprends pas pour qui ça, qu'on y ex-premier ministre, là, aux Émirats Arabes Unis, il pas tourné avec de tels canons pour les forces armées d'Haïti. Au lieu de faire ça, il a fait un bagage avec une firme américaine qui pour former les policiers tactiquement. Non, ce n'est pas ça, les policiers ont besoin. L'étape plus bon, si vous avez fait un contrat avec une firme de sécurité qui a des hélicoptères qui sont capables, pendant que vous avez fait opération, qui ont une couverture aérienne. Si c'est ça, pour le ministre, vous avez fait, moi-même, je suis bien content. Mais l'argent bagage sous débé que ça, c'est pour le conseil présidentiel là, dit Mounio que le premier ministre Kony pas de gain titre ni qualité pour l'engager le pays. D'ailleurs, au niveau international, c'est la présidence qui engage le pays. Le président signe les traités qui sont approuvés par, par l'Assemblée nationale, oui, par l'Assemblée nationale. Mais pays, côté de l'aller, il est obligé comme ça.
bon, sauf qu'il y a un imbécile qui va prendre qui te met le yo. Mm. Ou fait l'obel à Kayou, donc yo prend comme là. Donc c'est pour nous expliquer que non, c'est Haïtien qui ne pas comprendre que c'est pour gouverner Haïti. Yo pas gain pour prendre diktat, non, mais aucun diplomate étranger. Yo pas gain, entendez mon abdi, yo acheter équipement pour la, pour les forces armées. Bon diplomate américain qui dit yo pas qu'à faire ça. Frère, ou quand ça t'a passé, Pierre-Antoine le président ou bien Pierre-Antoine Louis Ariel Henry. On t'a déclaré diplomate américain persona non grata. On t'a bal 48 heures pour quitter pays. Regardez, l'on gouverne un pays, nèg gemier, africain gemier. Mon appartenance à la race noire, la race africaine. Le plus important que toute l'autre bagarre me décaler dans monde là. Oui, m'oublier tout que en pile monde dit que la mort Jovenel Moïse l'est découlé ou encore ses conséquences visite était fait en Turquie, vous entendez ça? Entendez mon a dit ça même moi connais pas quoi bagarre ça yo. Pas du tout. Regardez, mon toujours à chercher des explications occultes, des explications des bagarres bizarres, il a parlé et puis ça tout prévoit, il pas fait. Regardez, gain un sens de d'irresponsabilité dans le pays. On en garde, regardez, dans épistémologie nous dans pratique nous. Mes amis, combien moun k'ap tande matin, garçon, k'ap grainer ti moun dans pays que yo pas occupé. Que yo quitté avec maman yo, pour maman yo dégager pour occuper ti moun yo. Ou bien grand-mère pour grand-mère dégager occuper ti moun yo. Combien garçon en Haïti fait ça? Et ça gain longtemps depuis la fête. Grand-même maternellement vive bagay ça. Nous n'y fait, nous n'y pas occupé. Donc, nous avons un sens d'irresponsabilité dans ce pays. Et une façon pour nous sortir, il faut nous commencer responsable. Wendel, Albo Aéroport, pour qui Jean, gagne un ministère qui est le ministère de Transport et Communication qui n'est pas loin de l'aéroport. Même pendant que nous vivons ça, nous vivons là, nous avons un ministre avec un pile monde dans le ministère de Travaux et Transport et Communication qui n'a pas fait rien. Regardez dans l'état où vous êtes. Aéroport son disgrâce, aéroport c'est dégueulasse dans ça n'a pas vivre là. C'est pour premier ministre là qui sont hommes d'affaires toujours besoin résultat. C'est pour commencer faire ministre au travail, c'est pour relayer ministre et transport et transport communication avec Ofnac. Pour le dire dégagez nous bon mon rapport dans les 48 heures pour me comprendre qui ça dans quelle situation aéroport est. Ensuite lire le général Guerrier, lire le Normil Rameau, lui dit, moi, je m'en dispositif de sécurité dans plein nom, et pour les avions à partir de l'Est vers l'Ouest. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous perdu fil pensée, mais songez tout que les directeurs généraux, ils ne pas dépendent du Premier ministre, mais c'est de la présidence que vous dépendez. En fait, sur le plan. Administratif ou encore de la supervision que le Premier ministre est supposé exercer au quotidien du gouvernement. C'est oui. Ça. Mais normalement, c'est. Politiquement, il dépend de la présidence. De la présidence. Et est-ce que ce n'est pas la présidence pour qu'il tape passer M. Damio instruction ça? OK. Wendel, merci beaucoup, correction. Hein. Bien que m'a dit que pour le gouvernement marcher, leçon pour nous tirer de l'échec Ariel Henry, de l'échec Kony, c'est que. Moi, je me demande pour que nous fassions une retraite. Je te propose qu'on y fasse ça, le pas faire. C'est pour que nous une retraite pour décider, puisque nous n'avons pas plus de légitimité que l'autre, pour décider qui gens pour coordonner l'appareil gouvernemental de telle sorte que le pouvoir exécutif ait plus de cohérence, ait plus de cohésion okay, dans les actions gouvernementales, dans la mise en œuvre des 5 axes du gouvernement de transition prévus par l'accord du 3 avril. Maintenant, ça m'a dit, c'est que, oui, article 136 Constitution, hein, qui est toujours applicable, non obstant la situation d'extra-constitutionnalité, mandé pour que la présidence assure la continuité de l'État. C'est-à-dire, pour le garder comment l'État a fonctionné. Le bon fonctionnement mais, de l'État. Mais au quotidien, Premier ministre, là, li gagne pour mandé et organes concernés, regardez, on n'a pas payé pas quand il était fermé. C'est quand Haïti a isolé tête li. Je dis, a fait 8 jours depuis bagarre l'arrivée. Donc, l'innécessaire pour le Premier ministre là, convoquer acteurs sécurité, acteurs techniques, au FNAC, pour nous comprendre qui problème aéroport a gagné. Parce que même quand l'Agence fédérale des États-Unis, de l'administration de l'aviation, dit que dans les 30 jours qui suivent, depuis lundi passé, aucun avion ou bien ligne aérienne immatriculée aux États-Unis capable de venir là.
Ça pas veut dire que nous supposons être en mode réactif, nous pas faire rien. Nous capable faire ça pour nous faire relé sunrise, mandé sunrise. Qui ça pour nous faire pour aéroport international là fonctionner? Nous pas quand décréter nous dit comme moun ka voler et ka haïtien comme deux trois haïtien qui moins pauvre qui ka hélicoptère. Donc n'a oublié Port-au-Prince. Non. Premier ministre était supposé déjà convoquer tout le monde ça, on supposé le faire parce que son homme d'affaires lui même tout et me supposé il besoin de famille si famille à l'étranger. Donc Wendell. Non mais est-ce que premier bagage pour que tu fait puis Antoine, est-ce que c'est pas une enquête pour que tu lancé immédiatement dans les heures. Convoquer mon le mandat enquête là. Yeah. Comme il va faire lui-même. Mais monsieur qu'on bagaille. Ouais moi-même connu n'a pas d'affaires, moi-même puis Antoine lui. On bagaille comme ça pas qu'à fait pour directeur général Ofnac en place toujours. On va regarder ça pas qu'à faire. Ofnac signifie Office National de l'Aviation Civile. Oui, c'est organe qui régule pour tout le monde. C'est pas impliqué là-dedans. Oui. Pas qu'on va regarder comme ça. Pas qu'on va regarder comme ça. Écoutez, en Asie, l'on l'obéit qu'on s'est fait. Ou qu'on s'est passé. Moun qui est responsable là, li qu'on a allé en public, li pour révolver tout est tête. Parce que moun sa ou gagne le sens de l'honneur. Oui, mais ça c'est en Asie. Non, mais excusez-moi. Sans règle universelle, l'on responsable ou bagaille la crase dans mon. Fait au moins ou gagne gade. Si moi-même, moi directeur général Ofnac, moi t'ap démissionné. Si moi directeur général administration aéroportuaire nationale, moi t'ap démissionné. Que autorité a pas accepté le son l'autre bagage, mais moi-même, moi t'ap démissionné. Non, mais attendez, puis si moi t'es chef la police, moi t'ap démissionné parce que trois avions pas qu'à prendre balle, ça passe comme une lettre à la poste. Faut nous commencer à tracer des exemples dans la société. Oui, mais quelqu'un qui a dit que pour que ça ne va pas essayer de résoudre question gang, non. Parce que lorsque c'est gang qui a dirigé le pays, il lui-même qui n'importe quoi peut arriver. N'importe bagaille. Oui. Donc, est-ce que je dis là, nous ne pouvons pas prendre tout phénomène et puis nous la guerre sur deux mondes. Wendell, quand dit le colonel Gébu, qu'on dit, et m'a cité là, ouais, bagaille sur Abdila sont un phénomène. Mais ça, c'est phénomène. Là. Phénomène, là, c'est que l'État haïtien n'a pas marché. Alors, je veux que vous compreniez. Faut que vous compreniez. Je ne vais pas minimiser rien qui a passé là, non. Je vais pile solidarité à tout le monde qui a souffert. Mais là, moi, je souffre. Je suis personnellement victime de ce qui a fait. Je ne suis même victime. Personnellement. OK? Bon, dis au cas, une machine que j'ai acheté pour 35 000 dollars, qui était en panne, je paye 6 000 dollars. Je ne parle pas de dollars, je parle de dollars. Il n'y a pas de dollars. OK? Donc, je suis même victime. OK? Matin, je ne vais pas faire l'autre bagage. Je vais faire l'autre là, je ne pas capable. Je me quitte là, il faut me prendre des mesures de sécurité pour me sécuriser tête. Donc, nous toutes victimes. Cependant, tout bagage ça, c'est un phénomène. Mais ça, phénomène. Non. Haïti pas gouverné. Haïti, quand Joseph Aoul Pierre Conte dit, ok, monsieur dit lui-même pas gagné élite. Moi, je ne suis pas d'accord. Haïti gagne élite, toute société. Toute société qui constitue gagne élite. Gagne moun dans la société qui place. Non situation côté yo supposé réfléchir pour société a prendre décision pour société a yo supposé a planifier pour société a tout moun sa yo failli en Haïti c'est ça que fait blanc ouais matin on parler de programme alimentaire mondial excusez-moi sous qui base programme alimentaire mondial a bay appui en matière et de nourriture en Haïti moi même moi président demain m'a voyé pam dehors m'a mettez pam dehors m'a demandé toute agence l'ONU font camper. Bon, mais c'est comprendre comment le pays est pour prendre contrôle du pays. Haïti a besoin de monde qui prend prendre contrôle du pays. Wendell, vous comptez ça passer, il y a deux jours, je me lever, bon, je me dis, personnel, Wendell. Nèg moi, Wendell, casson 20 ans, petit, Pierre-Léonard, lui, nèg meilleur. Marie-Ismela, Fleurisma, femme Torbeck, il y a deux jours, je me dis, Wendell, je m'en vais prendre pouvoir dans le pays. Je m'assume ça, m'a dit. Wendell, il y a deux jours, je me lever, je m'en vais prendre pouvoir dans le pays. Wendell, garçon Kampechita devant là, Wendell, pas j'aime dans tes langues à moun. Wendell, bon, le papa m'a travaillé avec de gon chantier, papa m'a fait des ordres, m'a révoqué. Révoqué, papa? Oui, m'a dit papa. Regardez, c'est pas petit toi qui parle là. C'est patron. C'est patron qui investit l'argent dans un projet. M'a dit, fais ça, papa, si vous ne faites pas, m'a révoqué. M'a dit, bon, dans ce cas, m'a quitté le chantier, m'a dit, ok, m'a révoqué. Regardez, Wendell. Non, il dit, quitte le bambou, il révoqué. M'a révoqué. Regardez, frère. Li important à partir de ce jour pour moun kap gouverner nou yo gouverner c'est ça le problème du pays. Problème pays c'est mon problème gang. Oui, mais gang yo sont épiphénomène, oui, c'est une conséquence de l'absence de gouvernance, c'est une conséquence que nous quitter PAM, nous quitter UNICEF, nous quitter l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France. C'est ça, regardez, nous redevenir des esclaves, c'est ça que fait moi-même dans nouvelle constitution. Hein? OK, yo te mettem dans comité de pilotage là, m'te sorti parce que m'te vle gen liberté pour nous faire émission ça. Si m'te la donne pas d'ap ka faire émission ça matin.
m'a demandé pour me rencontrer, m'a demandé pour retourner à la devise initiale de ce pays. Liberté ou la mort. Nous sommes redevenus des esclaves. Nous regardez, nous sommes des esclaves mentaux. Nous avons des charlatans dans l'église. Nous avons des charlatans qui disent nous, bon Dieu bon, qui bon Dieu vient sauver nous. Tout le monde sait où nous avons demandé, écoute bon Dieu. Son bagage inouï, qui j'en reprends nous, ils ont décimé l'haïtien, ils ont retiré l'haïtien en nous. Regardez, nous sommes des zombies qui ont marché, nous ne comprenons pas. Regardez, même si monsieur qui a fait l'obé là, si vous réfléchissez un moment, vous avez pris compte que vous avez un paquet de monde qui a yo fait mon yo pas qu'à vivre à un certain point bagal a viré contre yo. Maintenant m'a prend courage mais à deux bras me dit li stupide. Li son imbécilité pour être non quartier avec moun sa yo. Malheureux sa yo. Maintenant ti moun à l'école yo fait retourner. Gon paquet ti moun qui pas même osé. Nous tout chita, nous tétanisé, n'a fait l'obéi. Pas m'a prendre programme alimentaire mondial a prendre décision pour nous, programme des Nations Unies pour le développement prend décision pour nous. Les États-Unis a goumé demain pour une résolution de l'ONU. Combien de temps Haïti a fait après 220 ans, n'a pas tant de monde vient secourir nous. Maintenant matin, m'a demandé pour tout haïtien prend responsabilité nous. Le ba nous gérer un bagage, faut nous gain courage pour nous prendre décision pour nous prendre. Parce que ça qui a passé là Wendel, c'est la démission de l'État. C'est l'effondrement de l'État. Jodi à tout le monde ça on a payé à ministre travaux publics là, ministre jouet pour aéroport ouvert. Et puis faut nous connaître, hélicoptère ça au cap si on est ciel là, $2,500 ça, gain des frais qui préposaient, hein, qui supposaient prendre aéroportuaire. Qui est-ce qui paye? Sous qui base tout hélicoptère ça va circuler? Où est l'État haïtien? Le problème fondamental, c'est pour nous commencer, tical patical, pour l'État reprendre le contrôle de ce pays. C'est ça le problème, ce n'est pas le problème de sécurité. Si tu as l'État, si l'État a fonctionné, gens pour le fonctionner, si intellectuel gang comme eux, tu as fait recherche pour nous faire, si nous pas déchouquer l'université, si nous avons passé des lois qui font que les gens qui ont fait un travail, qui pas ennemi dans le pays, maintenant tu es capable de travailler. Si nous pas prendre des décisions parce que nous décidons c'est pour nous pauvres pour Dominique a dominer nous. Jodi a ti monsieur pas tape dans la rue avec zam parce que c'est dans la mauvaise façon de faire la politique que nous mettez zam dans main nous. Zam dans main c'est parce que nous pas créer des entreprises. C'est parce que nous pas créer un climat des affaires qui permettent nous venir investir dans le pays. Tout ça yo c'est décision pour les élites d'Haïti pour prendre des élites économiques, élites intellectuelles, élites politiques surtout yo failli. Et me souhaiter dans les prochaines élections tout ancien, tout dinosaure ça yo qui jodi a contribué pour mettre pays ça à côté lié là que le prochain président pral commencer des enquêtes parce que la justice va reprendre ses droits dans ce pays. La justice élève une nation. Premier bagage pour nous commencer faire c'est pour nous commencer gouverner pays a conseil présidentiel nous connons gen trois mousquetaires nan ou OK qui craser légitimité ou mettez moun ça au dehors remplacer yo. Vous faites du tort au pays, vous n'avez aucune légitimité, vous entachez davantage la crédibilité du Conseil. Premier ministre, c'est bon cadeau sur le bas ou là, si son cadeau empoisonné. Premier ministre, mettez canson sous, pas faire dégâts, pas comprendre nous Sariel, pas comprendre nous Sekoni. Cependant, il faut capable de prendre décision. Un homme d'affaires, révoquer directeur FNAC là, révoquer directeur APM là, autorité aéroportuaire là. Nous ne pouvons pas dire comme ça. Non, mais attendez, monsieur, non, pays, nous ne pouvons pas dire comme ça, pas pour le passer comme une lettre à la poste. Mais quelle histoire? Non, même nous ne pouvons pas dire comme ça, tout. Nous ne pouvons pas dire. Mais assumez, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, c'est Antoine Louis Dil. Parce que, regardez, c'est l'absence de responsabilité qui est problème dans Haïti. On prend une pause, Naptoune. Pas de problème, frère. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je vous rappelle que l'intervention ça a été faite en 19, c'est le 19 novembre que Pierre-Antoine Louis l'unité fait une grosse déclaration ça yo et vraiment et nous voyons que la Russie avec la Chine y opposait droit de veto y opposait donc à proposition ça que États-Unis les mêmes l'unité fait avec un pays Équateur pour transformer force multinationale là une mission et maintien de la paix et de l'ONU donc ensemble famille nous. Donc, c'est comme ça que la situation est même présentée pour Haïti. Le conseil présidentiel là dans une grosse difficulté parce que nous gagnons une force multinationale qui n'a pas de résultat. La police là
a fait hier fort. Donc nous ouais seulement faut que tu aies un mariage avec population et vraiment mariage population nous ouais qui résultat que li kabanon. Nous t'ai ouais résultat li bay en avril dans moment sous Ariel Henry mouvement Boakale et eh bien dernièrement là nous ouais que qui et résultat que mariage a lui-même les bail les que population mettait ensemble avec la police là donc pour que yo traquer gang yo et bien Jean que représentant fédération russe landien donc c'est haïtien qui pour régler cause yo donc c'est haïtien qui pour bail solution hein. Donc solution c'est dans main olié donc c'est nous qui pour agir nous espérons que ou ensemble avec nous de commencement à la fin donc si que ou à peine tomber sur channel ça pas oublier abonnez, pèsez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo et nous saluons tous les amis qui sont un peu partout, qui sont toujours bah, nous love, lan, qui apprécient le travail que nous faisons. Quitte à moi-même, ou à joindre moi dans la prochaine vidéo, qui apparaît sous l'écran, qui est moyen vidéo. Cliquez qu'on y a.